Permis de repousser ça, papillon crisis. Oh 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 oh. Yo les gars, get so yeah, mami. Permis de repousser ça, papillon crisis. Oh 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 oh. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo haul déco, comme vous avez pu le lire sur les titres. Alors, j'ai principalement des articles qui viennent de chez Action, Eurodif, Rituals, Tati et du marché. Avant de commencer, je voulais remercier Tchoum pour ce joli headband qu'elle m'a fait. Donc, Tchoum, merci. Alors, chez Action, j'ai acheté ce vase. Donc qui est argenté, j'ai trouvé vraiment très beau, je sais pas, j'avais envie de changer un peu ma déco et je me suis dit l'argenté c'est très joli. J'ai également acheté des pieds de lampe de chevet, pareil en effet argenté, je trouvais que ça changeait de style. J'attends de recevoir ma tête de lit pour tout changer, donc voilà. Et chez Tati j'ai acheté une chaîne lumineuse avec en forme de balle à dentelle qui est comme ceci. Voilà, que alors j'ai les mêmes en rose que je mets derrière mon buffet. Voilà, donc c'est pas cher du tout. Vous en avez également chez Action, vous en avez un peu partout, vous avez tout type de modèle. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai un vase, voilà, en forme de bouteille un peu. Donc c'est avec de la déco ici, j'ai vraiment beaucoup aimé le style un peu vintage. Alors celui-là, je ne pourrais pas vous dire si je l'ai acheté chez Action ou chez Tati. Moi, je dirais Tati, mais dans le doute. Voilà. Donc, voilà, très beau. Chez Eurodif, j'ai acheté ce petit cadre lumineux. Alors, attendez, je vais vous l'allumer. J'ai mis des piles. Alors, celui-ci existe en modèle Home, un modèle Bonjour. Il y avait pas mal de trucs. C'était celui qui me parlait le plus. J'ai également acheté cette boîte à sucre que je ne vais pas utiliser pour le sucre. Donc, qui est carré. Je l'ai trouvé très jolie. Voilà, comme ça. Qui s'ouvre ici. Et je vais y mettre, vous savez, tous les échantillons qu'on reçoit ou qu'on nous donne dans les boutiques. Parce que à force, ils sont partout et nulle part. Et pour mettre la main dessus, c'est tout le temps une galère. Donc je me dis, je vais les mettre tous dedans. Si j'ai besoin de chercher quelque chose, je pioche dedans. Et puis voilà. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Donc ça peut être elle peut servir aussi de boîte à bonbons. Elle peut servir à beaucoup de choses. Ma fille l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais en racheter une autre comme ça. Alors aujourd'hui, je suis allée avec ma mère au marché. Donc chose que je fais très 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 rarement. Et j'ai trouvé pas mal de choses, donc j'étais allée à la base que pour acheter mes fruits et mes légumes. Et aujourd'hui j'ai pris le temps et vraiment j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Je vous montre tout ça. Alors j'ai acheté des bols blancs comme ça, je les trouve vraiment magnifiques. Donc alors ceux-là, je crois que les 6, je les ai payés 5 euros, les 6. Voilà, donc ils sont vraiment très beaux. Alors vous en avez des similaires chez Maison du Monde, chez... j'en ai vu chez Tati, il y en a un petit peu partout, sauf que c'est pas le même prix. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans un marché, regardez ces modèles-là. À dire vrai, je les avais vus chez ma mère et je les avais trouvés super beaux. Et quand je suis allée au marché, ma mère m'a dit, bah voilà, je les achète ici. Et voilà, donc quand j'y suis allée, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé plein de choses. Je suis repartie avec, je crois que j'ai dû le faire sa journée au mec. Donc ils sont blancs, je sais pas si vous voyez, mais il y a du relief. Mais voilà, comme moi, mon délire c'est le blanc. Ensuite j'ai acheté un service à thé, donc avec un plateau, qui est comme ça, que j'ai trouvé vraiment très beau. Donc ça vient de Turquie. Alors par contre je ne pourrais pas vous dire les prix, parce que j'ai pas de, bah, c'est le marché, donc il n'y a pas de ticket ou autre, et je ne m'en souviens plus du tout. Alors les verres sont comme ça. Donc vraiment très beau. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça change de ce que j'ai. Je lui ai demandé s'il y avait moyen de retirer la partie argentée. Et il m'a dit, bah oui madame. Et comme ça, hop, on lave juste cette partie-là. Et l'autre partie est intacte. Et donc va s'abîmer beaucoup moins facilement qu'auparavant. Ce verre a son couvercle. N'est-ce pas joli? Et... ça
sous tasse. Oh, j'ai vraiment kiffé. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop joli. Moi, j'aime beaucoup. J'étais étonnée quand le gars m'a dit qu'il en vendait pas beaucoup. Bon, écoutez, comme ça, je repasserai dans 6 mois et puis ça aura encore baissé. Il faisait également des petites cuillères qu'il m'a offertes. Enfin non, qu'il a offertes à ma fille. Parce qu'elle, elle les avait kiffées. Puis moi, je n'allais pas les prendre. Je trouvais ça trop kitsch parce que les bouts étaient bleus. Je sais pas si elle a pris les bleus ou les rouges. Et voilà, donc j'en voulais pas. Et puis, il les a offerts à ma fille qui, elle, a vraiment beaucoup aimé. Et ma mère étant mon influenceuse favorite, j'ai vu ça chez ma mère et je lui ai dit, quand tu vas au marché, tu m'en rachètes. Sauf que c'était en rupture chez le gars. Et oui, dans les marchés aussi, il y a des ruptures de stock. Et quand nous y sommes allés, il en avait deux. Donc, ma mère lui a dit, tu les mets de côté. Et j'ai été lui prendre. Donc, c'est ça. Donc, il s'agit d'un hachoir qui coupe. Et en fait, vous mettez donc vos, par exemple, vos oignons ou autres. Vous le mettez. Donc, moi, je le coupe en quartier. Et vous faites ça. Bim! Comme ça. Vous hache. Je trouve ça super pratique que d'aller chercher son matériel, le brancher, machin chouette. Ça, je vais le poser dans ma cuisine et quand j'en ai besoin. Et ça, je pense que je vous en ai parlé durant le ramadan sur Snap avant parce que je sais très bien que le temps que je mette en ligne cette vidéo là, le ramadan sera passé. Donc voilà. Donc vraiment, si vous cherchez un truc qui soit pour hacher et que vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose d'électrique, etc., économie d'énergie en même temps, pensez à ça. Ça, vous le trouvez dans tous les bons marchés. Les bougies que j'ai achetées chez Beauté Privée. Alors, je connaissais déjà ces bougies-là parce que j'en avais une déjà à la maison que mon mari m'avait offert, que j'avais trouvé le concept super sympa. Et quand j'ai vu la vente privée, bah, j'ai couru et j'ai acheté. Donc, j'ai acheté deux bougies. Donc, ils viennent de chez Andrea Paris, qui sont comme ceci. Oui, comme ceci. Donc, c'est la Black Vanilla, vanille noire, et la Bella Vita. Donc, je les ai pas encore, je les ai juste senties comme ça, mais elles sentent très bon. Et celle que j'avais auparavant, c'est la Parisienne. Et la Parisienne sent Angel, de chez Thierry Mugler, mais pas aussi fort. Donc moi, ça me va très bien. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Donc c'est dans un pot blanc. Voilà, efficace. Et j'avais avec... Donc j'avais acheté le couvercle en argenté. Et puis l'autre en doré. Puisque j'ai, pour la Parisienne, j'ai le couvercle en rose gold. Donc vraiment. Alors sinon, vous avez un site en ligne. Andrea Paris, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'hab. Voilà, donc si vous cherchez des bougies à offrir, alors elles ne sont pas données, mais vraiment, enfin moi je trouve le concept super bien. Vous achetez la bougie, le couvert, vous avez le ciseau coupe bougie. Vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Ça sent la vanille. Hein. Voilà. Je suis allée chez Rituals et je suis tombée sur l'édition limitée qui sent super bon. Dommage qu'ils aient pas fait de bougies dans cette gamme là. Alors j'ai acheté la brume pour le lit ou pour le corps qui sent le citron, mais ça sent super bon. Donc il est comme ceci. Voilà, et le flacon. C'est du Rituals, mais vraiment. Ça sent trop bon. Ensuite, ce que j'ai acheté, je l'ai acheté en deux exemplaires. Il s'agit de la du parfum d'ambiance ou parfum de maison, vous appelez ça comme vous voulez, qui sent super bon. Alors, je l'ai là. Voilà. Il se présente comme ceci, que je mets dans mes toilettes. Et mes toilettes sentent trop bon. De toute façon, moi, je mets tout le temps ce genre de choses-là dans mes toilettes. Mais c'est vrai que celui-là, alors je sais pas si c'est parce que c'est la contenance ou autre, mais il sent bon et ça embaume bien mes toilettes. Donc vraiment, je vous le recommande. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Dites-moi si vous êtes habitué d'acheter au marché, ce que vous achetez au marché. Ça m'intéresse. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Mouah ! Pose une vidéo What I Eat in Ramadan. Voilà, je l'ai remixée à ma sauce.